Bienvenue sur les plateaux TV de l'Open World Forum 2013. Je reçois Patrick Moreau, bonjour. Donc de l'INRIA. Bonjour. Vous êtes responsable de la stratégie open source à l'INRIA. Vous avez participé, animé les rencontres INRIA Industrie. Quelle est la genèse un petit peu de cet événement? Donc aujourd'hui, nous avons organisé une rencontre INRIA Industrie sur donc la qualité logicielle. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'en fait, il faut que le logiciel issu de la recherche, des travaux de recherche de nos chercheurs, rencontre en fait leur marché. Donc dans le but d'organiser les rencontres entre la techno et le marché afin de créer de la valeur dans la société, valeur sociale, économique, on a souhaité qu'il y ait ces rencontres entre la techno, donc l'INRIA, mm-hmm. et le marché, l'industrie. Donc on est assez simple, on appelle ça une rencontre INRIA-industrie. D'accord, donc c'est les porteurs de projets qui vont pouvoir discuter, échanger avec de potentiels... Il n'y a pas réellement de porteurs de projets, il y a des chercheurs qui à un moment donné d'accord. ont des technologies d'accord. suffisamment matures, mm-hmm. qui pensent qu'elles peuvent être intéressantes, qui souhaitent aussi se confronter à des besoins réels, concrets, mmh, mmh. Industriels, qui souhaitent aussi peut-être avoir de nouvelles problématiques de recherche grâce d'accord, à ces ouais. confrontations, qui sont venus là présenter leurs... Donc il y a 5 technologies et qui souhaitent donc, après des présentations... Donc après un panorama que Xavier Laura nous a fait, il y a eu des présentations de 10-15 minutes de technologie. D'accord. Et en fait, puisque c'est une rencontre techno-marché, INRIA-industrie, ça se finit par des rencontres point à point, des rendez-vous personnalisés d'accord. entre ces équipes de recherche et des entreprises qui, derrière, normalement, s'en suivent par des contacts dans le futur et normalement par des échanges. Mmh. Et l'objectif premier était que ces entreprises utilisent déjà oui. ces technologies. Parfois, elles sont un peu complexes à utiliser. Il faut mmh. un peu les clés du camion. Donc, il y a des relations plus personnalisées entre d'accord. l'équipe de recherche et justement, à terme, pour que l'utilisation soit de plus en plus simple et permette donc de vraiment créer cette valeur-là et peut-être, à terme, de conduire avec des porteurs de projets mmh. à du transfert, en fait. Très bien. Ouais. Donc, qualité logicielle aussi. Pourquoi qualité logicielle? Alors, qualité logicielle... alors si j'étais un peu scolaire, je dirais, mmh. parce que c'est un des trois défis du groupe thématique logiciel libre de systématique. Bon là c'est une réponse un peu scolaire. Mmh. On estime qu'en fait que la qualité logicielle est importante, sort du domaine de l'embarqué critique dans lequel INRIA excelle pour aller vers le système, les systèmes d'information, le middleware, l'infrastructure. On estime que de plus en plus, toute l'informatique aura besoin de développer les mêmes outils de preuves, d'analyse de code, de preuves formelles sur les logiciels. Mm-hmm. Parce que de moins en moins, de plus en plus, les logiciels sont importants, donc de plus en plus difficiles à tester. Donc les solutions de test habituelles où on met des gens à tester, elles fonctionnent de moins en moins. Et de moins en moins, on acceptera des pannes sur ouais. nos systèmes, mm-hmm. sur nos systèmes, même système d'information. Donc, à l'Open World Forum, forcément, de nombreuses entreprises sont intéressées, doivent être intéressées par ces thématiques. Et donc, on va là, en fait, avec nos chercheurs, pour que la techno rencontre le marché, on essaye d'aller là où les entreprises du marché sont présentes, en fait. D'accord. Il y a un petit catalogue, je crois, on peut retrouver pas non, mal effectivement, de projets. Il y a ce catalogue mm-hmm. qui est un extrait, hein, qui n'a pas l'ambition ouais. d'être plus que cela, un extrait de logiciels open source qui existent, qui sont utilisables, qu'on peut télécharger, qu'on peut utiliser et qui doivent normalement amener de la compétitivité dans les entreprises, résoudre de nouveaux problèmes, résoudre de la compétitivité aussi par le fait que ça existe, il ne faut pas le redévelopper. Tout à fait. Donc ouais. en termes d'accès au marché. Et donc servez-vous, ça existe. Et puis c'est peut-être que demain, il y aura des entreprises qui vous feront le support si vous êtes nombreux mm-hmm. à l'utiliser et nombreux à dire que vous l'utilisez aussi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Patrick, pour cet éclairage très sur bien. Ces rencontres. À bientôt. Au revoir. Au revoir.